אני מפחד ששנה הבאה הרבנים יגידו טוב, גם אני אהיה בזום. בסדר גמור. עכשיו, קודם כל לביסוד כבוד הרב תירוך שיוגני את הרב הזה. Vous pouvez parler en français quand même. Rav, vous pouvez parler en français si vous voulez. C'est peut-être mieux pour la majorité de l'Assemblée. Ah, pardon. Vous pouvez parler en français. Oui, excusez-moi. J'ai complètement oublié qu'on était dans un public francophone. Je peux commencer à parler ? À vous la parole. Merci beaucoup. D'abord, je veux vous féliciter, monsieur le rapporteur, pour l'organisation de cette séance. Je tiens avant tout à m'excuser. Il était convenu que je sois présent parmi vous et des problèmes personnels et autres m'ont empêché. J'espère que vous allez être m'entendre. Je dois aussi m'excuser parce que je n'ai pas compris, même si j'étais déjà lié avec vous par Zoom. J'entendais les gens parler, mais je n'ai pas entendu le contenu de leurs paroles. Donc il est possible que je revienne sur certains thèmes qui ont déjà été abordés par d'autres personnes. Si j'ai bien compris, alors après un peu de la chanara sur moi, alors j'espère avec son sens de l'humour, je peux me permettre de lui parler comme ça. Alors, mais je pense qu'il est tout à fait la solution au problème que nous voulons résoudre aujourd'hui. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il est venu de France avec une famille d'origine du fin fond de l'Algérie. Les Mozabites, il a dit votre question pour que je lui apprenne comment on résout une équation différentielle partielle et qu'est-ce qui devient en ce qui va. Donc vous voyez qu'on pose tous les problèmes juifs en Israël et c'est tout à fait comme ça correspond à la place que vous voulez, le théographe des morts, marier votre collègue. Il y a juste une chose qui ne vient pas de chez moi, c'est qu'il est rabat. Vous savez, dans la famille en présent, quand on me demande est-ce qu'on est du rabat, on leur dit non, on est des restes, pas seulement des croix. Mais ça fait une petite plaisanterie pour commenter, mais afin d'arriver au fond du problème, permettez-moi de préciser certains points. D'abord, l'importance de la radia des Juifs de France en Israël. Les pays de France ont réussi à résoudre des problèmes que l'État d'Israël n'arrive pas encore jusqu'à aujourd'hui à résoudre. Je ne dis pas qu'ils l'ont résolu en France de façon très réfléchie, mais ça c'est fait. Ils ont surmonté tous les obstacles. C'est la première fois qu'il y a eu une rencontre fructueuse entre le monde Ashkenaz et le monde Sfaradi, entre les juifs religieux et les juifs laïcs, entre les juifs qui n'avaient pas au départ une grande culture et qui maintenant se trouvent à la tête de tout le monde universitaire en France. Et j'en passe et des meilleurs. Et plus que toute autre chose, l'unité du peuple juif. Un juif qui rencontre un juif en France lui sourit et voit en lui son frère. C'est ce que nous avons besoin de voir ici en Israël. Et malheureusement, on ne voit pas toujours. Et personnellement, j'étais une des premières victimes, une des grandes victimes de ça. Si certains d'accord ont signalé que j'ai pu faire quelque chose au Seigneur, je pense qu'il faut que je précise comment je l'ai fait. Je suis arrivé en Israël comme un bon juif d'Afrique du Nord qui arrive après 2000 ans d'histoire et d'exil. Dans le pays qui représente tout ce qu'il y a de plus sacré, de plus élevé dans la conception juive. Et je me retrouve en face de personnes qui sont aux antipodes. Et la rencontre était dure, elle a été même violente. Donnez un tout petit exemple, et c'est le plus simple auquel que j'ai dû affronter. Lorsque je suis arrivé au Technion, le premier groupe à qui j'ai dû enseigner, c'était un groupe de la faculté d'électronique. Il y avait 45 étudiants. Je suis rentré habillé comme on était en France, avec un costume, une cravate, un chapeau. Très clair, ça ne faisait pas du tout Haredi, il n'y avait pas de raison de faire peur à quiconque, même à l'époque.
Et le maître de conférence responsable savait que c'était la première fois que j'enseignais. Il a voulu m'accompagner par correction. Il m'a présenté, je suis rentré dans la salle. Le seul mot que j'ai proféré, c'était le mot chaland. Sur les 45 étudiants, 25 ont pris leurs affaires et sont sortis. Alors vous pouvez imaginer qu'après 2000 ans de rupture de relation, se retrouver en terre d'Israël et avoir un accueil pareil, il y a trop réchauffé le meilleur cœur. J'avais donc en face de moi un dilemme. Deux possibilités. Ou bien je claque la porte, on ne veut pas de moi ici. Ou bien j'essaye autre chose, justement d'essayer de changer les choses. Étant donné que je viens d'une famille de rabbins, j'ai décidé que si on ne voulait pas de moi, eh bien je resterais excité. C'est comme ça que je vais me battre pour changer cette situation et faire abattre cette muraille qui séparait des plus laïcs, de religieux, j'en passe et de meilleurs. Je ne sais pas, je suis facile de faire ici. À l'heure actuelle, le Technion, on peut faire, à la suite de ce que j'ai fait, on peut faire ton diplôme au Technion et le diplôme de rabbinat en même temps. Et d'ici, ben, d'attacher un très peu de temps, il va y avoir 3 ou 4 personnes élues du Technion et de notre Yeshiva qui vont finir, après avoir fini le diplôme du Technion, leur diplôme de Dayané. Ça veut dire qu'on peut tout bouleverser dans l'État d'Israël et dans le bon sens. Mais pour ça, il faut justement quelque chose qui relève du fin fond de la Torah, à savoir la compréhension fondamentale qu'à l'intérieur de chaque juif, qui a du sacré, qui est là, il faut savoir tout le réveiller. C'est pas du tout facile très souvent, et c'est pas du tout facile à réaliser sur le terrain, mais c'est possible. Comment il a fallu agir? Je vais vous dire quelque chose et ensuite je reviendrai sur les points fondamentaux. Ça m'a pris du temps à comprendre quelle était la difficulté d'un juif qui vient de France, à savoir un juif nord-africain. Ou un juif avec influence nord-africaine, parce que même les Ashkenaziens de France sont devenus un petit peu nord-africains à notre contact. Eh bien, c'est nécessaire qu'on arrive ici, on se retrouve devant un système administratif et national qui a été conçu par les rebuts de la révolution bolchevique de 1917. Avec la violence, avec l'opposition à tout ce qui relève du sacré. Et c'est pas facile d'affronter ça. Comment vous êtes ça? Ben, je vais vous dire, c'est peut-être pas gentil, c'est peut-être pas sympathique, il faut le dire, c'est bien adopter exactement les mêmes méthodes, mais dans l'autre sens. En gardant derrière et en grandissant l'état de la rabbin d'Israël. Autrement dit, se servir des mêmes comportements, mais afin d'amener exactement au résultat inverse. Amener la rabbin, amener la rabbin, amener l'unité dans le peuple juif et la compréhension de notre identité. Et maintenant, j'arrive au niveau de tout ce qui concerne le judaïsme français ici. Il y a de tout temps, la vie juive a été organisée autour d'une communauté. Dans toutes les communautés, qu'elles soient paradis, ascénadis, yéménites, ou j'en passe des meilleurs. La vie juive était autour de la communauté. Ben-Gurion a été suffisamment capable de démolir et d'écraser cette structure-là. Pourquoi? Afin de tout soumettre à la structure de l'État. Et à ça, il faut s'opposer à tout prix. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le personnage devient inféodé à tout ce qui relève de l'État, et qui est important, extrêmement important, mais qui reste laïque. Ou qui peut redevenir uniquement laïque. Je ne prétends pas que l'État d'Israël est laïque, transgressionnant. Mais les structures nationales tendent vers le laïque. La seule façon de pouvoir se défendre, c'est d'être à l'intérieur d'une communauté, avec un chef spirituel qui a toujours été un Talmid Chacham, qui est à même non seulement de guider et de conseiller, mais de se battre pour son public. Et il faut se battre en Israël. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
que ça nous fasse plaisir ou pas. Et je vous dis, personnellement, allô, vous m'entendez? D'accord. Et je suis obligé de préciser ici, excusez-moi si je parle un petit peu de ma personne, je suis considéré par beaucoup de personnes comme quelqu'un de violent même quelquefois, ou de trop tranchant. Mais ce n'est pas parce que j'y tiens, je ne sais pas ma nature, ce n'est pas mon éducation avec le peuple juif. Justement, si un point doit être précisé, c'est que nous, les Juifs paradis, on est capable d'être violents avec tous nos ennemis, pas avec nos frères. On est incapable d'être violents avec nos frères, on refuse fondamentalement. Avec nos ennemis, aucun problème. Et ça, on aborde un point, je reviens sur ce point communautaire. La communauté est fondamentale pour tous les Juifs, et encore plus pour des Juifs d'origine nord-africaine. Et c'est là la problématique qui les amène à une perte d'identité. Pourquoi? Parce que contrairement aux Juifs européens, dont l'identité est définie par un comportement personnel, le Juif Sfaradi est défini par un comportement collectif. Et quand la collectivité est démolie, il perd son identité. Il faut aussi ne pas avoir peur de dire que les Sfaradim sont responsables de leur perte d'identité. Ils vont dans n'importe quelle collectivité et ils s'identifient assez vite avec ça, sans prendre conscience tout de suite, et après c'est trop tard. Mais ça c'est un problème qu'il faudra résoudre. Il y a de nombreuses années déjà, à la mémoire d'un très grand ami de Rassam, le professeur Kennedy, j'ai écrit un article sur le fait que la communauté est fondamentale pour la vie juive. Et que là, il faut s'opposer à tous les programmes de Ben-Gurion sur ce point-là. D'accord ? Deuxième point fondamental pour que la Ralia de France réussisse ici. Il faut qu'on précise à tout le monde, excusez-moi s'il y a des gens qui viennent d'autres mondes que le mien, ne nous rentrez pas les maladies du judaïsme européen chez nous, à savoir les maladies sionistes, anti-sionistes, pour l'université contre l'université, pour la culture générale contre la culture générale. Ce sont des maladies qui n'ont rien à voir avec le monde paradis. Sans compter que quand on pense que celui qui a créé tout le mouvement sioniste, le docteur Epstein, est un paradis. C'est une matérielle. Oh, on doit terminer. Je vous entends bien, vous me demandez de terminer. Donc, combien? Donc, je vais essayer de terminer. Alors, je reviens là-dessus. On ne doit pas essayer de nous imposer des choses qui sont contraires à notre identité. Nous sommes des Juifs profondément sionistes et nous sommes des Juifs qui se noient profondément juifs et religieux. Pour nous, ces deux dimensions ne sont pas contradictoires, elles sont une, bien au contraire, complémentaires. Un deuxième point, il n'y a pas deux judaïsmes en Israël, à savoir Sfaradi et Ashkenazi, c'est faux, il y en a trois. Il y a le judaïsme Ashkenazi européen, il y a le juif de l'Orient, et il y a le juif du bassin méditerranéen, essentiellement d'Afrique du Nord. C'est un tout autre monde et nous sommes un missionnaire entre les deux autres pays. Nous avons notre halakha à nous avons notre façon à nous. Et il n'est pas question qu'on essaye de nous imposer des halakhot et toute une Torah qui sont des problèmes, de partis politiques. On n'a pas de judaïsme politique. Notre rapport avec la Kadosh Baruch Hu passe directement par la Kadosh Baruch Hu. Pas par des partis politiques, celui-ci ou un autre, quel que soit-il. Notre identité est une identité juive profonde et nous sommes prêts à participer, à soutenir tout comportement positif qui amène une bracha, la bénédiction peuple juif dans quelques domaines que ce soit. On n'a pas de problème d'armée, de travail, tout ça, c'est des absurdités qui ne concernent pas notre judaïsme. Permettez-moi, je termine juste sur un petit point. J'ai dit le dernier géant de la nuit d'Afrique du Nord, le Rafa Ndang, je vous le dis.
un jour, on a appris que son Israël, j'étais encore à Paris, on a appris qu'en Israël, un ministre avait tapé sur les gens religieux. J'ai pas vu le rabbin arriver, j'étais en train de parler avec des camarades et critiquer ce ministre. Le rabbin arrive et m'entend parler. Il me dit, monsieur Zini, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Zini, j'avais 22 ans, 23 ans. Monsieur, vous vous traitez comme des égaux. Je lui dis, regardez, il y a ce ministre qui a parlé. Vous me dites très gentiment, mais ça fait bien des égaux quand même. Et j'ai dit, vous avez la stagiaire, vous ne savez pas, et j'ai renchéré. Il m'a élevé un tout petit peu la voix en me disant, mais taisez-vous quand même. Je ne me suis pas arrêté. Comme je ne me suis pas arrêté, il a tout simplement explosé, j'étais son élève particulier. Il m'a dit qu'il y a un explorateur. Celui qui parle contre Israël ou qui critique quelqu'un en Israël en diaspora, c'est un explorateur et son statut comme explorateur. Il m'a dit, si tu veux critiquer quelque chose, tu vas en Israël. Je le dis avec beaucoup d'humour, parce que c'est ce que j'ai fait depuis. Je t'aime. Mais si vous essayez de changer, nous sommes là parce que nous avons une âme juive qui tient à voir la réussite du peuple juif dans tout ce qu'il entreprend. Aussi bien sur le plan spirituel et religieux que sur le plan matériel, unitaire, économique et autres. Et là, nous sommes à mettre d'amener une solution à tous les problèmes de l'État d'Israël à l'heure actuelle, si on est conscient de cette dimension et de cette grande opération. Dans la bonne fois dans la...